situation en fait? Bah moi je suis en bonne santé, je suis assis, je pense pas que ça me pose de problème, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ont commencé tôt et pour qui ça peut être un peu compliqué, mais c'est surtout que c'est pas tellement que je pense qu'effectivement il est très possible qu'il faille en discuter, il faille revoir certaines choses. Maintenant, dans la précipitation, je pense que le pays est assez déchiré et assez clivé pour qu'on se passe le temps de discuter de tout ça. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps. Il faut prendre le temps avec les gens parce que les fascistes ne sont pas loin. Et vous... Personnellement, je vais perdre 2 ans, enfin 1 an de retraite. J'aurai le taux plein en théorie à 63 ans, comme j'ai commencé à travailler pas très tard. Et bah là, il faut que j'attende 64 ans pour prendre ma retraite. Vous, ça vous fait... L'âge auquel il n'y a plus de décote pour le taux plein, il reste le même. Donc à nouveau, ça privilégie en fait les gens qui ont fait des études longues, qui en fait, ils doivent déjà attendre jusqu'à 67 ans pour le taux plein. Et en fait, pour eux, ça ne va rien changer. Mais ça va changer pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, mais à 20 ans par exemple, et qui ont des métiers difficiles. C'est une aberration, cette réforme. À 64 ans, les personnes qui font des travaux difficiles, ça va être compliqué pour elles. Les femmes, par exemple, qui ont des carrières qui sont hachées, c'est aussi que ça va être compliqué. Et puis, bon, et puis c'est à partir de 64 ans qu'on commence à avoir des problèmes de santé. Voilà, moi, j'en ai 68, jusqu'à présent, je suis en forme. Et là, on commence à voir un peu plus souvent les médecins.